Comment créer des vidéos YouTube, Instagram et toute autre plateforme en utilisant l'intelligence artificielle? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une IA vraiment formidable dont le nom est VidDash AI. Avec cette IA, il vous suffirait simplement d'entrer un seul mot-clé dans le logiciel pour pouvoir vous générer des vidéos automatiquement. Donc, tout est assisté avec l'IA. Mais avant que nous allions faire les tests, laissez-moi quelques minutes de vous présenter le logiciel avec quelques fonctionnalités de base et ensuite nous allons aller faire nos propres tests. Donc, ici sur la page d'accueil, vous pouvez directement voir Create Animate Video with Automatic AI Using a World. Donc, vous pouvez créer des vidéos animées automatiquement en entrant simplement un seul mot clé, l'IA s'en charge de faire tout. Donc vous pouvez par exemple créer des vidéos avec l'assistant du chatbot, vous pouvez aller par vous-même. Il y a énormément de templates que vous pouvez choisir. Vous avez la possibilité de faire du drag and drop, éditer des éléments. Vous avez plus de 1,5 million de stocks images et vidéos. Vous avez la possibilité de faire de la voix off. Vous avez plus de 500 fond, donc vous pouvez utiliser dans tout ce qui est texte. Vous pouvez générer des vidéos dans plus de 20 langues différentes et vous avez la licence commerciale. Utilisez ces vidéos en titre commercial et bien plus. Donc lorsque nous entrons, vous aurez par exemple dans l'espacement, vous aurez cet aspect. Donc vous aurez la possibilité de choisir si vous voulez créer la vidéo avec l'IA, donc ou soit aller directement choisir un template, aller de zéro. Mais il vous suffirait simplement de trois étapes si vous voulez utiliser un seul mot-clé pour l'IA et générer votre vidéo. Vous prenez simplement l'assistance avec l'IA dont nous allons nous connecter par la suite. Je vais vous montrer comment cela se passe. Donc vous allez simplement vous connecter avec l'IA et ensuite vous allez entrer votre mot-clé. Vous allez choisir des canevas. Vous avez énormément des éléments comme ceci. Et par exemple, ici sur la page d'accueil, vous avez des aperçus des vidéos créées avec VidDash AI. Vous pouvez voir que ça marche dans tout type de niche, tout type de domaine. Donc, cette IA est vraiment formidable, révolutionnaire. Je vous recommande de prendre votre copie aujourd'hui en 2024 pour pouvoir dominer sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux facilement. Vous n'avez pas besoin de montrer votre visage ou quoi que ce soit. Il vous suffirait simplement de trouver un mot-clé en fonction de votre thématique fourni à l'IA et il s'en charge de faire le reste. Donc vous avez les idées de script de vidéo, vous avez le storyboarding, vous pouvez rechercher des images, des vidéos, vous pouvez ajouter des animations, vous pouvez ajouter la voix off, des musiques et ensuite vous pouvez publier votre vidéo. Donc voilà un peu, vous pouvez un exemple ici, c'est un GIF. Et ici vous pouvez faire du drag and drop avec le logiciel, mettre des éléments comme vous voulez. Et vous avez des stocks de médias dont les voix off en fonction du pays que vous voulez. Il y a énormément de voix off. Et qu'est-ce qui est encore intéressant ici? Comment ça fonctionne? Vous entrez simplement un mot-clé, vous modifiez les éléments, vous personnalisez, ensuite vous publiez le rendu et vous téléchargez votre vidéo. Donc, tellement flexible et très simple de pouvoir créer des vidéos avec VidDash AI. Donc, voilà un peu la page d'accueil. Vous voyez un peu des éléments. Vous pouvez découper que ce soit des images et bien d'autres. Vous pouvez ajouter votre propre élément à la librairie. Vous pouvez ajouter plein d'autres éléments et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très complet ce logiciel. Très complet. Donc on va simplement aller directement au niveau des tests et vous allez voir comment cela se présente au niveau des tests. Ok, donc au niveau des tests, vous allez vous connecter dans votre back office. Vous trouverez le lien pour accéder à VidDash AI dans la description de cette vidéo. Donc le logiciel en question coûte 37 euros. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et ok, donc on va faire simplement les tests. Supposons que nous voulons générer une vidéo par exemple sur, bon, on peut prendre quoi en fonction de votre mot clé, de votre thématique, vous allez fournir à l'IA. Bon, on va par exemple prendre gagner de l'argent en jouant, on va fournir à l'IA. Donc vous avez la possibilité ici d'utiliser l'IA
pour faire tout. Vous pouvez choisir des templates, vous pouvez créer vos vidéos donc à partir de zéro. Je vais utiliser simplement l'IA pour que cette vidéo ne soit pas très longue ou d'autres fonctionnalités. Bon, à vous de découvrir. Donc ici, on va simplement donner le nom de notre projet. Bon, je vais par exemple dire gagner de l'argent en jouant. Donc gagner de l'argent en jouant, je vais soumettre mon projet. Et à ce niveau maintenant, l'IA va me proposer dans quelle langue est-ce que j'aimerais créer ma vidéo. Je vais choisir French dans le français. Et il va me demander quel est le sujet de ma vidéo. Je vais simplement entrer gagner de l'argent en jouant. Bon, de préférence, bon, peut-être comment gagner de l'argent en jouant pour que l'IA nous écrive, pour que l'IA nous génère une vidéo à ce sujet. Et ensuite, nous pouvons utiliser cette vidéo pour publier sur les réseaux sociaux et partout où nous voulons. Donc, je vais lancer. L'IA va s'en charger de m'écrire le script. Donc il a une introduction, il a les différentes formes de jeux et de compétences, les plateformes de jeux en ligne pour gagner de l'argent, les jeux vidéo, donc ça sont les introductions, les grands points en fait. Ensuite l'IA va s'en charger de par point rédiger donc du texte, du script, et ensuite nous allons faire une voix off avec Vidash AI. Donc si vous trouvez que vous pouvez ajouter quelque chose, vous pouvez simplement faire là. Dans les précautions à prendre lorsqu'on gagne de l'argent en jouant, vous pouvez dire par exemple comment retirer ces paiements par exemple. Donc vous pouvez ajouter cela et vous allez cliquer sur submit, et maintenant l'IA va s'en charger d'écrire dans tout le script de votre vidéo. Vous pouvez voir là sa charge, nous sommes à 11,22%. Et ainsi de suite, nous sommes déjà à 33% et 44% déjà. Bon, l'IA donc est en train de générer tout le script nécessaire pour pouvoir monter notre vidéo par la suite. Ok, donc une fois que cela est fait, on va simplement cliquer ici sur Next. Au niveau de Next, nous allons choisir un template. Un template, ça va être la base donc pour l'affichage de tous nos éléments à l'écran. Par exemple, ici sera inclus une vidéo. Ici, une vidéo, vidéo, vidéo. En fonction de votre branding ou peu importe, vous pouvez changer cela plus tard. Bon, je vais par exemple prendre ce template pour cette démonstration. Donc Le logiciel charge tous les assets dont nous avons besoin ici. Vous pouvez voir déjà la introduction à l'idée de gagner de l'argent en ligne. Vous pouvez changer par exemple les polices. Il y a énormément de polices. Donc c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Par exemple, vous pouvez changer la couleur du texte. Donc je vais peut-être prendre celui du jaune. Bon, c'est du noir. Bon, je prends du noir, ça s'affiche mieux. Ok, donc à vous de voir, vous choisissez. Et maintenant ici, vous avez des assets, vous pouvez donc faire du drag and drop. Vous avez une playlist ici, une timeline. Vous pouvez ajouter d'autres éléments à votre timeline, soit au début soit à la fin. Vous pouvez déplacer cette timeline comme vous voulez, donc ainsi de suite. Je vais supprimer cette timeline. Ok, donc vous avez des éléments, vous pouvez ajouter énormément de trucs, ce que vous voulez à votre vidéo. Ici nous avons la possibilité, par exemple, bon, ça sont les templates. Ici vous pouvez ajouter vos propres médias. Si je clique là, je peux télécharger depuis mon ordinateur et ajouter. Et ici nous avons la bibliothèque des images, donc elle est énorme. Vous avez la bibliothèque des vidéos, vous pouvez prendre des vidéos et les ajouter ici pour pouvoir faire votre montage. Et ici nous avons les gifs, dans les gifs également la liste est énorme, nous pouvons tous leur. Et ici nous avons les stickers, donc vous pouvez par exemple, vous avez la possibilité de rechercher directement ce que vous voulez. Et ensuite nous avons ici du texte, vous pouvez ajouter du texte, des paragraphes et d'autres éléments déjà constitués comme ceci, des éléments déjà montés. Donc c'est à vous de scroller la liste et de trouver vraiment ce qui vous plaît pour votre projet. Et ici donc nous avons par exemple, vous pouvez adapter en fonction de vos préférences. Et ici nous avons les assets, vous pouvez donc
par exemple le faire comme ceci et rajouter là où vous voulez. Et ensuite vous pouvez prévisualiser votre timeline. Donc vous voyez un peu, et ici j'ai cette timeline, je peux également prévisualiser. Et ici sera ajouté en fait une vidéo automatiquement par l'IA. Et ici également je peux prévisualiser cette timeline. Une fois que tout est bien fait, donc une fois que vous avez vérifié par exemple les polices d'écriture, les couleurs, si tout correspond pour vous, donc vous pouvez également relire ces textes qui sont générés par l'IA. Vous pouvez relire parce que en fait par la suite ce sont ces textes qui seront utilisés pour la voix off automatiquement. Donc c'est à vous de regarder est-ce que le test correspond, mais généralement le test correspond. Donc de mon expérience, les tests correspondent simplement peut-être au niveau des disponibilités, au niveau de la présentation en fait, que cela peut un peu déranger. Vous pouvez voir par exemple ici, il me faudra par exemple déplacer le titre pour que je puisse avoir un bon alignement. Donc vous vérifiez toutes vos timelines comme cela, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de changer également ceci. Donc vous pouvez dans background ou page, vous pouvez changer la couleur ici. Vous pouvez mettre du bleu si vous voulez. Et dans le call to action, vous pouvez mettre une adresse de votre site web. Je peux par exemple dire growthbusiness.com. Donc cela va s'ajouter au call to action. Vous pouvez voir ici learn more. Je peux changer, cliquer ici pour en savoir. Bon. Davantage par exemple. Vous pouvez voir ici que j'ai ajouté un lien. Donc vous pouvez choisir du thème, je peux mettre que c'est sponsorisé, un lien sponsorisé et bien plus. Donc vous allez prévisualiser toutes vos timelines comme cela. Maintenant nous allons directement à le rendu. Pour le rendu, vous allez simplement cliquer sur save. Une fois que vous avez sauvegardé, vous allez maintenant cliquer sur publish. Dans publish, maintenant vous avez la possibilité, donc la durée de la vidéo, vous pouvez laisser automatiquement, l'IA va s'en charger de lire cette vidéo automatiquement. Ça va donner le nombre de temps que ça pourra donner. Vous pouvez simplement dire manuellement et vous déterminez le nombre de minutes que vous voulez. Si vous voulez les vidéos par exemple de 10 minutes, donc vous allez simplement cliquer ici et ajouter 10 minutes. Mais si vous laissez automatiquement, l'IA va s'en charger de lire simplement du texte comme s'il faisait une lecture. Et ensuite, ça sera tout. Mais si vous prenez manuellement, vous déterminez vos temps, l'IA va s'en charger de mettre les transitions, de mettre beaucoup de choses. Donc, je vais laisser automatiquement pour cette démonstration. Ici, nous allons sélectionner la voix off pour notre vidéo. Donc ici maintenant on va cliquer sur Select Speaker. Dans ça maintenant un nouvel pop-up va s'ouvrir et ici nous allons par exemple choisir la langue. Si on prend du French, vous voyez qu'on a French de la Belgique, du Canada, de la Suisse-Zélande et de la France. Si on prend par exemple Belgique, on voit qu'on a deux voix off. On a une dame et on a un monsieur. Si on prend French, Canada, on a trois voix off. On a deux monsieur et une dame. Et si on prend également French Suisse-Zélande, on a deux voix off et ainsi de suite. Donc vous pouvez prévisualiser cette voix off. Vous voyez par exemple la France ici, on a énormément de voix off qu'on pourra sélectionner. Donc vous pouvez prévisualiser par exemple. Bonjour, je suis Claude. Je peux convertir votre... Donc vous prévisualisez. Bonjour, je suis Céleste. Je peux convertir votre... Bonjour, je suis Brigitte. Donc, en fonction de ce qui vous plaira, vous allez simplement cliquer sur Select. Je vais prendre par exemple ceci, sélectionner. Maintenant, ici, vous allez dire Send for Voice Over. Donc, vous avez choisi Claude. Vous allez maintenant dire Send for Voice Over. Vous avez la possibilité par la suite aussi d'uploader votre propre musique. Donc, il vous suffirait de cliquer là et d'aller dans vos musiques sur votre ordinateur et sélectionner votre fichier. Donc, j'ai par exemple ajouté une musique qui fait en fait... 5,44 minutes, je vais cliquer seulement sur Upload et ça va ajouter cela dans ma timeline automatiquement et cela va synchroniser également avec ma voix off, ce qui fera que avec la synchronisation, la voix off sera au-dessus de la musique et c'est une très bonne chose.
Donc, je pense que ça va un peu me prendre le temps pour pouvoir télécharger de mon ordinateur cloud. Je vais simplement annuler. En fait, vous avez vu comment vous pouvez ajouter une musique en prenant depuis votre ordinateur. Ou par contre, vous pouvez directement sélectionner les musiques qui sont disponibles sur VidDash AI. Donc, vous allez simplement prévisualiser. Ok, donc, si c'est ceci qui vous intéresse, vous allez simplement cliquer sur Select et vous allez mettre OK. Donc, vous voyez que là, pour le rendu, ici, nous ne pouvons pas encore lancer le rendu parce qu'on n'a pas encore envoyé la voix off. Il faudrait maintenant que nous puissions envoyer la voix off. Maintenant, l'IA va s'en charger avec cette voix de Claude de générer notre voix off. Là, maintenant, notre voix off est générée. Là, nous pouvons lancer le rendu et vous allez vous assurer que toutes vos timelines sont là. Vous pouvez encore tout prévisualiser. Vous regardez au niveau de la durée de votre vidéo. Est-ce que vous voulez plus de 5, 10 minutes, 15, 20? Vous déterminez le nombre de temps ou vous laissez simplement l'IA déterminer la durée de votre vidéo. Vous vérifiez bien votre voix off est là, votre musique est là et vous lancez le rendu. Ok, donc, le temps que cela progresse, je vais mettre pause cette vidéo et ensuite nous allons revenir. Et voilà que notre vidéo est prête à être publiée, téléchargée et partagée là où nous voulons. Donc, pour le faire, en fait, vous recevrez un mail de la part de VidDash AI dans votre boîte email avec un lien où vous pouvez cliquer directement pour télécharger la vidéo. Ou si tel n'est pas le cas, vous pouvez simplement cliquer ici et vous avez la possibilité directement de lire la vidéo ici. Vous pouvez voir que nous avons laissé l'IA déterminer la durée et la durée est tellement courte de 1 minute 16 secondes, elle est tellement courte. Donc, de préférence, déterminez votre propre durée, c'est mieux pour avoir des vidéos un peu plus longues. Cela est bénéfique donc, pour les réseaux sociaux et tous les autres. Donc, vous avez la possibilité de prévisualiser ici et de télécharger votre vidéo. Et si je clique ici, vous pouvez voir que le téléchargement donc, s'est lancé. Et là, c'est en train de télécharger directement sur mon disque dur. Et nous pouvons aussi prévisualiser la vidéo ici. Je vais un peu diminuer le son. Découvrez comment gagner de l'argent en jouant à des jeux passionnants en ligne. Les différentes formes de jeux d'argent comprennent les casinos, les paris sportifs, le poker, les loteries et les machines à sous. Les plateformes de jeux en ligne pour gagner de l'argent offrent aux utilisateurs la possibilité de participer à des jeux de hasard ou de compétences en échange de gains monétaires. Donc les amis, voilà un peu un aperçu de VidDash AI. Donc, sachez que vous pouvez faire énormément avec ce logiciel, simplement que je n'ai pas voulu parcourir toutes les options, toutes les fonctionnalités étape à étape pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Alors si cela vous intéresse, si vous souhaitez générer des vidéos en illimité avec l'IA, dans VidDash et le logiciel qui vous pour, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo pour commander le logiciel et commencer à créer des vidéos pour votre chaîne YouTube, vos comptes sur les réseaux sociaux et générer du trafic comme cela, que ce soit sur vos liens affiliés ou vente de vos formations, redirection du trafic sur votre site web. Alors, VidDash va vous aider à faire cela. Inscrivez-vous, commandez votre copie et c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et donnons-nous rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci.